Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Merci. merci encore. Je le en mentionne à chaque fois parce que une des choses que je dis beaucoup en leadership, c'est qu'on ne prend jamais rien pour acquis. Merci d'être là. Merci d'avoir choisi de venir élever le nom de Jésus, de me donner encore une fois le privilège de vous enseigner. C'est une grâce et je vous en remercie. Je suis reconnaissant. Vous me bénissez. Et merci de me donner le droit d'être moi-même et de dire des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on pense tout bas, bon, mais qu'on n'ose pas dire tout haut. Et on est dans une série qui se nomme Prophétie d'Ésaïe pour ta vie. Euh, Ésaïe est un prophète qui a vécu 700 ans avant Jésus-Christ et il annonce une prophétie, c'est une promesse de délivrance. Des années plus tard, le peuple va être emmené en exil, en captivité dans une terre étrangère. Et Ésaïe va enseigner que ça, c'est l'image de l'humanité. Nous sommes des captifs spirituels, nous sommes dans une terre étrangère, nous sommes liés. Et l'ultime délivreur, l'ultime délivrance, c'est en Jésus. Et c'est ce que nous annonce le prophète Ésaïe. On est rendu au quatrième message. La semaine dernière, on a fait une petite pause pour nos baptêmes. Euh, Êtes-vous d'accord avec moi? C'est toujours des moments glorieux, les baptêmes d'eau. Euh, oui. La semaine dernière, au portail, 38 personnes ont passé dans les eaux du baptême. Euh, et on est vraiment heureux. Et notre église de Terrebonne, encore une fois, je vous rappelle qu'on est une église aussi, donc notre église de Terrebonne a célébré cinq baptêmes. Il y avait 150 personnes à Terrebonne la semaine dernière au cinéma Gouzeau. Oui. Et la raison d'être également, c'est de former, de voir des gens venir à Jésus, de former des gens qui vont être des leaders pour Jésus. Et par exemple, ce matin, un beau témoignage, de plusieurs années, lorsqu'on a commencé Terbonne, un jeune homme est arrivé, Jimmy, a donné sa vie à Jésus, a mis sa vie en règle avec Dieu, il s'est marié, a commencé sa formation biblique qui fait partie de mon petit groupe de mentorat, où il y a cinq jeunes pasteurs que je suis en train de former, que je m'investis particulièrement dans leur vie. Et ce matin, c'est lui qui prêche à Terbonne pour la première fois. Donc, c'est vraiment une belle nouvelle. Priez pour lui. Et c'était notre pause la semaine dernière. Maintenant, on est déjà rendu dans le quatrième message sur Ésaïe 40 à 55. On a vu les deux premiers chapitres, 40 et 41, où il y a une promesse de consolation. On a vu au chapitre 42 une promesse de transformation. Et ce matin, on va voir le chapitre 43-48. On devrait avoir terminé pour 16 heures. Ne vous en faites pas. Euh... Là, en fait, ça va être quand même, j'ai étudié le texte et j'ai choisi, j'ai sélectionné les passages les plus pertinents. Et ce matin, on va parler de la promesse. Isaïe annonce la promesse du Saint-Esprit. Donc, Jésus est l'ultime serviteur. Jésus est celui qui va venir délivrer, qui apporte le secours, qui apporte le salut. Et la Bible dit dans Isaïe, je viens avec mon esprit. Donc, on va voir ça ensemble. Sans plus tarder, Isaïe 43, versets 22 à 27. Vous pouvez suivre le texte biblique sur l'écran. Donc, 43, 22. Dieu parle et dit, ce n'est pas moi que tu as invoqué Jacob. Et je rappelle que Jacob est l'ancêtre d'Israël, le peuple de Dieu. Donc, c'est un nom poétique pour parler du peuple de Dieu. On pourrait dire portail. Donc, ce n'est pas moi que tu as invoqué Jacob. Tu t'es fatigué de moi, Israël. Tu ne m'as pas offert de moutons ou les chèvres de tes holocaustes. Tes sacrifices n'étaient pas à ma gloire. Je ne t'ai pas astreint un service d'offrande et je ne t'ai pas fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas acheté pour moi à prix d'argent du roseau aromatique et tu m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as astreint à l'esclavage par tes péchés, tu m'as fatigué par tes fautes. C'est moi, moi seul, qui de moi-même efface tes transgressions. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Rappelle-toi. À mon souvenir, Rentrons ensemble dans du jugement. Parle de toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché. Tes interprètes se sont révoltés contre moi. Qu'est-ce que Dieu dit par la bouche du prophète Isaïe La première grande vérité ce matin, avant de parler du Saint-Esprit. C'est que la religion ne peut solutionner le problème du péché dans ta vie. On en parle beaucoup au portail parce que Jésus est venu pour détruire la religion. Et je dis parce que plusieurs personnes t'ont invité ou tu te joins à l'église. Et je veux juste te dire que Jésus n'est pas une nouvelle religion. La religion n'est pas, ne réussit pas à solutionner le problème du péché dans ta vie. Parce que justement, on parle de problème, Ton plus grand problème. Ton problème numéro un, c'est pas les gens, c'est pas les choses. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le temps, c'est le péché dans ta vie. Le plus grand problème, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les épreuves de la vie. Le plus grand problème, c'est le péché qui habite dans ton cœur. nous sommes tous pécheurs. Et moi, on peut me considérer comme un pasteur, un homme moral, un père de famille fidèle à sa femme. Il doit se dire, ce pasteur-là, il y a une bonne religion, ça va bien. Et cette semaine, je méditais sur ce texte. Et euh, j'ai dit quelque chose de dangereux à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi le top 3 de mes péchés? Et je commençais à évaluer mes péchés. Puis là, je commençais. Puis là, à un moment donné, j'en ai trouvé deux. Puis là, je dit, ah, il y en a un. Lui, c'est vraiment un plus gros péché. Et là, après ça, j'en avais un autre. Puis là, j'allais mis. J'ai arrêté à huit. Parce que la réalité. Puis souvent, les gens vont. Oui, oui, on est pécheurs, mais on ne réalise pas la crasse de notre cœur. Vous savez, on parle souvent, puis moi je le dis, hein, un, de mes, un de mes problèmes, un de mes péchés, puis souvent c'est comme un péché, c'est facile à dire, c'est dans toutes les œuvres de la chair, on va dire, c'est l'impatience. Tout le monde, c'est comme on le sait, c'est comme moi, moi, je suis impatient. On fait une petite confession, comme si l'impatience c'est moins pire parce que ça affecte pas les autres, mais derrière mon impatience se cache la colère et derrière la colère se cache l'orgueil. Donc c'est sale le péché. Puis quand je regardais à mon cœur, j'étais découragé. Et là, je me suis rappelé la bonne nouvelle de Jésus. Mais la première chose, le péché, c'est ton plus grave problème. Et les chrétiens, à la base de la bonne nouvelle de Jésus, c'est justement la fameuse doctrine ou la vérité du péché originel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque être humain sur cette terre, nous naît. notre nature, elle est totalement et radicalement corrompue. Tu n'es pas une bonne personne qui fait des erreurs. Tu es un pécheur perdu. C'est la première chose que tu dois réaliser. Et beaucoup de chrétiens tentent d'atténuer. Mais atténuer la mauvaise nouvelle, c'est atténuer la bonne nouvelle de Jésus et nous sommes totalement corrompus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire totalement et radicalement, ça veut dire radical, la base, c'est à la racine. C'est-à-dire que le, la racine de notre problème, la racine de notre être est dans le péché. Par exemple, à un moment donné, j'ai offert une rose, une rose bleue à mon épouse. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une rose bleue? Je ne vais pas te faire de peine, mais ça ne pousse pas dans la nature. Qu'est-ce qu'on fait? On met la rose dans du colorant bleu et elle prend la couleur. Maintenant, la Bible dit que ton cœur est enraciné dans le péché, donc ça contamine tout le reste. Il y a des gens qui vont dire oui, mais je suis capable de faire de bonnes choses. Ça ne veut pas dire que tout ce que tu fais est mal. Ça veut dire que le mal contamine toute ta vie. Par exemple, j'ai fait quelque chose, je suis pas fier de moi là. Vendredi dans ta maison, à la maison, et moi, une des choses que j'aime, c'est les bonbons, les bonbons qui goûtent la pêche. J'aime ça, moi, la pêche chimique. Et là, à un moment donné, je m'en vais, je vois dans, dans la, une pièce, puis ouh, ma femme, elle a acheté des pêches. Et là, j'essaie d'ouvrir le sac en cachette, parce que mes enfants, c'est comme les mouettes, ils entendent le bruit puis ils s'en viennent. Et là, j'ouvre le sac, et là, la famille arrive, non, non, non. Et là, tout le monde en veut, puis là, c'est la bataille, tu peux pas, tu peux pas. Et la meilleure idée que j'ai trouvée pour garder les pêches pour moi, c'est de cracher dans le sac. C'est par ta grâce, c'est ta grâce, c'est que je suis pardonné. Ça contamine tout. Maintenant, le péché contamine toutes les sphères de ta vie. Le péché contamine ton estime, ton identité, tes relations, ton rapport à l'argent, au travail, à cette vie, tout ce que tu aimes. Et c'est pourquoi tu as besoin de comprendre que le péché est ton problème numéro un. Et Isaïe dit... Tes interprètes se sont révoltés, c'est-à-dire, il y a un problème. Ici, les pasteurs, les prédicateurs sont responsables de mal enseigner cette vérité. Vous savez, deux tendances que je vois dans le christianisme, et la phrase n'est pas de moi, mais je trouve qu'elle représente assez bien deux extrêmes. Écoutez bien, on ne doit pas spiritualiser la maladie ni médicaliser le péché. Wow, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chrétiens, une des extrêmes, c'est de tout spiritualiser. Les gens sont malades, puis il y a un péché derrière ça, puis il y a toujours des attaques du diable derrière ça. Et c'est un peu comme Job, les amis de Job, c'est qu'on essaie de trouver toujours la cause. Et à l'autre extrême, ce que je vois, il y a des gens, je me souviens d'une jeune fille qui était venue me voir, qu'elle ne dormait pas, elle vivait des difficultés, était angoissée, tout ça. Et sa solution dans sa vie, ce n'était pas des médicaments, c'était la repentance. Je m'explique. Elle confessait, elle disait Il y a telle situation dans ma vie, elle gardait, elle avait un péché, elle gérait, elle avait une double vie, ça l'amenait à une pression énorme sur son âme, ça générait plein de trucs. Et les gens autour d'elle de disaient Tu as besoin de médicaments, mais la réalité, à la base, et je ne dis pas Faites attention, je ne dis pas que tous ceux qui vivent dans l'angoisse, tu as besoin de repentance, ce pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que le péché exerce une pression sur ton être, et quelquefois, alors qu'on cherche des solutions à droite et à gauche, Jésus peut faire ce qu'un médecin ne peut pas faire, parce que la véritable solution, souvent, c'est la repentance. Et je ne parle pas, juste pour être clair, je ne parle pas de maladie mentale, de santé mentale, je ne parle pas de dépression. J'espère d'être bien clair, j'ai déjà prêché là-dessus, je ne suis pas en train de dire que la crise, la repentance. Ce que je dis, c'est que y a des gens, tu vis une double vie, tu vis toutes sortes de trucs, il y a comme une pression. Puis le psalmiste va dire, tant que je me suis tué, mes os se consumaient, mais lorsque j'ai confessé mon péché, tu m'as rétabli. Il y a une pression souvent énorme, il y a un stress énorme, souvent à jouer avec le péché. Et maintenant, la religion tente d'apporter cette réponse au péché. La religion est une réponse au péché, c'est juste une mauvaise réponse. Pourquoi? Parce que la religion, c'est l'extérieur, alors que ton problème, c'est à l'intérieur. De taper des mains, de lever les mains, de crier, de chanter, de lire ta Bible, si le cœur n'y est pas, ça ne change rien parce que c'est à l'extérieur et ton problème est à l'intérieur. Même d'être à l'Église ne change rien ce matin. Et le problème de la religion, c'est d'avoir les actions sans la disposition du cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est possible de prier sans prier. C'est possible de louer sans louer. C'est possible d'être à l'Église sans être à l'Église. C'est possible de lire sa Bible sans lire sa Bible. C'est possible de servir sans servir. Est-ce que ton cœur est là présentement? Veux-tu savoir un, un symptôme de la religion dans ta vie? Si au moment où tu m'écoutes, tu es en train de regarder sur Instagram ou Facebook, ton cœur n'est pas là. Il y a un temps pour ça, mais ton cœur n'est pas là. Si dans la louange, tes pensées sont accaparées par toutes sortes de trucs, ton cœur n'est pas là et c'est la religion. La différence entre ta relation avec la religion, c'est toujours lorsqu'on met notre cœur dans l'affaire. Lorsqu'on met notre cœur dans la louange, notre cœur dans l'écoute de la parole, notre cœur dans le service, notre cœur dans la prière. Et c'est pour ça que la religion et Dieu dit... Vous vous êtes lassé, vous êtes blasé, il y a des gens ici te perdu ton zèle, te perdu ton dynamisme, t'as perdu ta foi, t'as perdu ton premier amour pourquoi Parce que la religion c'est pas excitant. Moi, j'ai déjà travaillé à la chaîne dans une usine. Puis ma job, c'était il y avait une manette puis c'était de d'envoyer un splutch de sauce. C'est difficile de mettre son cœur dans le splutch de sauce. C'est mécanique. Puis Je pensais à plein. De... Puis quelquefois c'est Possible de faire des choses pour Dieu, mais de manière mécanique. Et Dieu dit si ton cœur n'est pas là, si tu mets pas ta foi, ça vaut pas la peine. Tu fais juste me fatiguer. C'est pas moi que tu invoques. Dans la louange, tu peux dire mon nom, mais c'est pas moi que tu loues. Tu peux prier, tu peux lire, la, tu peux lire ma parole, mais en fait, tu lis pas ma parole. Tu fais juste poser tes yeux sur des lettres. Ça pénètre pas à l'intérieur de toi. Et c'est ça le problème de la religion, c'est qu'elle est mécanique. En quelque sorte, la religion veut manipuler Dieu. Et c'est pourquoi Dieu promet. De véritablement solutionner le problème du péché dans ta vie, c'est pas la religion. Regardez ce qu'il qu va dire. Il parle de jugement, de justification. Je l'ai mentionné rapidement la semaine, la semaine passée. La véritable manière, c'est la doctrine la plus importante du christianisme. Si je vais y revenir, parce qu'on a le temps de parler vendredi saint, j'en parle, parle continuellement. Mais tu dois comprendre la justification. Puis il y a des gens qui ne comprennent pas la justification, que Dieu te justifie, te déclare juste, c'est pas juste deux choses. Premièrement, c'est la rémission des péchés, c'est Dieu qui te pardonne. Il y a des chrétiens qui arrêtent là. Ben, Dieu m'a pardonné. C'est tellement plus que ça, la justification. La justification, c'est deux choses. C'est le pardon des péchés et c'est l'imputation de la justice de Jésus dans ta vie. Qu'est-ce que l'imputation? OK, tu sais, c'est quoi une imputation? C'est le contraire. C'est-à-dire, on t'enlève quelque chose, mais l'imputation, c'est Dieu qui te greffe la justice de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu te regarde, et c'est pour ça qu'il dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Est-ce que vous pensez que Dieu est amnésique? Comme, hey, c'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle a fait déjà? Dieu est omniscient. Dieu n'est pas amnésique. Ce que Dieu dit, c'est qu'il choisit lorsqu'il te regarde. Ce n'est pas ton péché qu'il voit, ce n'est pas ta condition, c'est ta position, c'est Jésus qu'il voit en toi. C'est comme si, quelquefois, il y a un spot, il y a un spot qui est plus fort qu'on a. Et si, lorsqu'on allume le spot, et quand même, je te le regarde maintenant, et je te regarde, je te vois mal. Pourquoi? Parce que je suis ébloui. Dieu ne voit pas tes péchés parce qu'il est ébloui par la perfection et la sainteté de Jésus. Dieu, lorsqu'il te regarde, il voit son Fils. Et c'est ça la solution. C'est non seulement le pardon des péchés, c'est un changement fondamental. Et voici maintenant, alors que ceci dit, voici ce qui prend en place, verset 40, chapitre 44, 1 à 5. Écoute maintenant, Jacob, mon serviteur Israël que j'ai choisi. Ainsi parle le Seigneur, celui qui te fait et qui te façonne depuis le ventre de ta mère, celui qui est ton secours. N'est pas par Jacob, mon serviteur. Yeshurun. Ça, c'est mignon. Yeshurun. Dis à quelqu'un à côté de toi, Yeshurun. Bon, quelquefois, ça fait bizarre, là, euh, mais quand même. Je t'ai choisi car je verserai de l'eau sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. Voici la clé. Je verserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils germeront au beau milieu de l'herbe, comme les saules près des cours d'eau. Celui-ci dira J'appartiens au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire J'appartiens au Seigneur celui-là se réclamera du nom de Jacob, cet autre écrira sur sa main, appartenant au Seigneur, il se parera du nom d'Israël. Voici la deuxième clé. Si la solution n'est pas dans la religion, la religion ne peut pas solutionner le péché dans ta vie, le problème du péché, le Saint-Esprit peut solutionner le problème du péché dans ta vie. Est-ce que je peux entendre un vrai amène à ça? La promesse du Saint-Esprit, c'est vraiment vital. Et pourquoi qu'on l'appelle le Saint-Esprit Parce qu'il y a plusieurs esprits, mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit spécial, l'Esprit à part, il est tout hors catégorie. Et cet esprit-là est véritablement le secours de Dieu pour l'humanité. Pourquoi Parce qu'il peut aller là où personne ne peut aller, à l'intérieur de ton cœur. Il y a des gens quelquefois, on, on lit ça dans les journaux, des gens qui tombent dans des crevasses, sont dans des endroits où les secours ne peuvent pas se rendre. Gloire à Dieu que le Saint-Esprit peut se rendre là où aucun homme ne peut se rendre. Et c'est pourquoi, ici on parle de la promesse du Saint-Esprit, et qui est le Saint-Esprit, il y a des gens qui joignent à nous, et je veux que ça soit clair, le Saint-Esprit, ce n'est pas une sorte de, de force impersonnelle. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, il est une personne. Le Saint-Esprit a une pensée, des émotions, une volonté. Vous savez, pour comprendre ce que la Bible dit sur le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il y a sept grandes déclarations dans la Bible. Reste avec moi. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux, un seul Dieu. Le Père, révélé par Jésus, on le voit dans l'Ancien Testament, est Dieu. Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Père n'est pas l'Esprit, c'est deux choses séparées. Le Père n'est pas Jésus, c'est deux choses séparées. Et Jésus n'est pas l'Esprit, c'est deux choses séparées. Maintenant, les chrétiens ont développé un mot pour exprimer cette vérité et c'est la Trinité. La Trinité, c'est quoi C'est nous croyons qu'il y a un seul Dieu existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans une parfaite unité relationnelle. Et les trois sont égaux en puissance et en gloire. Le Saint-Esprit n'est pas moins important que Jésus. À l'Église de Portail, nous disons tout a toujours rapport avec Jésus. Mais c'est important, nous ne prêchons pas Jésus seulement, mais Jésus surtout. Parce que dans le plan du salut... Le Père a appointé le salut, le Fils l'accomplit, le Saint-Esprit l'applique. Et Jésus est central, non pas parce qu'il est plus important, il a une fonction centrale, il révèle le Père et c'est pourquoi le Saint-Esprit pointe vers Jésus. Et c'est pourquoi on dit tout a toujours rapport avec Jésus, mais c'est important, nous sommes trinitaires, nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils et Esprit. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Qui, qui aurait cru que la théologie est inspirant? Oui, parce que c'est concret, c'est pratique, c'est ce que Dieu est. Maintenant, la fonction de Saint Esprit, je l'ai mentionné, c'est quoi C'est de donner des émotions dans la louange. C'est de faire transpirer le prédicateur sous l'onction. C'est pas ça. Le but du Saint Esprit, c'est d'appliquer l'œuvre de Jésus dans ta vie. Par exemple, quand vous avez mal au dos, moi, à un moment donné, j'avais mal au dos. Je suis pas très flexible des épaules. J'ai le tube, la solution est dans le tube. Mais je suis incapable de me l'appliquer. J'ai besoin du Saint-Esprit qui est ma femme pour m'appliquer. Ma femme est toute contente. Je suis le Saint-Esprit. Mais j ai, j ai, j ai comme. Et c'est exactement la même chose. Jésus est mort à la croix. C'est dans le tube, c'est historique, mais pour l'appliquer dans ta vie, pour rendre ça concret, pour dire oui, je suis Saint-Esprit, je vis tout ce que Jésus a pour moi, j'ai besoin du Saint-Esprit qui vient me l'appliquer. Et c'est pourquoi la, la promesse du Saint-Esprit est quelque chose de vraiment, vraiment important. Vous savez, la Bible dit que le Saint-Esprit fait dix choses dans ta vie. Premièrement, il témoigne que Jésus est le seul sauveur et le seul Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est lui, si tu as mis ta foi en Jésus, c'est lui qui t'a convaincu, ce n'est pas moi ou un autre pasteur. Le Saint-Esprit, le convainc. Le Saint-Esprit le régénère, c'est-à-dire, nous sommes morts dans nos péchés à cause que nous sommes totalement corrompus, il nous ramène à la vie. Il nous donne cette vie spirituelle qui est la prémisse de la vie éternelle. Le Saint-Esprit habite en toi. La Bible dit que le Saint-Esprit t'aide, il intercède pour toi, il t'enseigne, il te guide, il te sanctifie, c'est-à-dire qu'il te transforme à l'image de Jésus, et il te fortifie, il te rend puissant. Quelqu'un dit Amen quelque part. Il dit. L'esprit qui est en toi, Romains 8 nous dit que c'est l'esprit d'adoption. C'est pourquoi le texte dit J'appartiens au Seigneur. Et c'est intéressant, il y a une transition. Dieu s'adresse à son peuple en disant par son ancêtre Jacob, qui veut dire croche, et là il l'appelle Yeshurun. Et en hébreu, comme en français, c'est mignon. C'est pas comme Yeshurun. Non, c'est Yeshurun. C'est comme, comme le suffixe du quand tu rajoutes un nounet » à un nom, c'est plus mignon. Comme papa, mais papa nous naît. Maman nous naît. C'est comme je dis maintenant, j'inviterai Denis Nounet à venir prier. Il y a de l'affection là-dedans. Et Yeshurun veut dire droit. Donc, on passe de croche à droit, pas parce qu'on a fait des bonnes œuvres, parce que simplement on a mis notre foi dans l'œuvre de Jésus et nous sommes déclarés justes. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur de toi, il y a l'Esprit te dit, « Oui, tu es un enfant de Dieu, tu es une fille de Dieu. » Puis le diable te dit, « Tu pas digne. » Mais le Saint-Esprit dit, « Oui, mais c'est par grâce. » Et l'Esprit, c'est important. Et le Saint-Esprit peut solutionner le problème du péché. Comment? Il va te dire trois choses. Chapitre 44, 21 à 23. « Souviens-toi de cela, Jacob, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car j'ai assuré ta rédemption. Ciel pousse des cris de joie car le Seigneur agit. Profondeur de la terre lancez des acclamations. Montagne éclatez en cris de joie. Vous aussi forêt avec tous vos arbres car le Seigneur assure la rédemption de Jacob. Il montre sa splendeur en Israël. Si tu as mis ta foi en Jésus, le Saint-Esprit est en toi. Et le Saint-Esprit te dit quotidiennement trois choses. Il y a trois affaires que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, il te dit hier, qu'il va te répéter demain. Il te dit trois choses souviens, reviens, deviens. Souviens, souviens-toi de ce que Jésus a fait. Souviens-toi dans quoi est ton identité. Souviens-toi sur quoi repose ton salut. Souviens-toi de, de le fait que Dieu te déclare juste. Souviens-toi que tes péchés sont pardonnés. Parce qu'un des gros problèmes dans nos vies, c'est qu'on ne se rappelle pas ce que Jésus a fait. On ne se rappelle pas. Hier, c'était le poisson, c'était le 1er avril. Et là, le matin, je me suis dit, OK, là, il faut que je fasse attention sur Facebook. Il va y avoir plein de nouvelles. Il y a plein de monde qui vont prétendre des choses, puis on va, on va se faire avoir, puis je ne me ferai pas avoir. Puis dans le courant de la journée, à un moment donné, je revenais, puis là, je disais Hein, elle est -ce enceinte Mais non, c'est pas vrai. Puis continuellement, je me faisais surprendre. Imaginez avec Jésus. Donc, on oublie souvent ce qu'il a fait pour nous. Et la job du Saint-Esprit, c'est de te rappeler si tu es en Christ, tes péchés, c'est un nuage. C'est une vapeur, c'est rien. Pourquoi déclares-tu que ton péché est montagne alors que Dieu l'appelle nuage? Il dit je ne me souviendrai plus de tes fautes. Donc le Saint-Esprit te dit souviens deuxièmement, le Saint-Esprit te dit reviens. À chaque jour tu dois revenir à Jésus. Là, il y a des gens qui disent et là je dis pas que je perds mon salut puis j'ai Non non, je sais dans ma vie. Vous savez les chrétiens on est comme des chasseurs de papillons. Des enfants. On est là tout à coup dans la vie. Le matin, on part, puis « Jésus, je te suivrai. » Puis là, tout à coup, là, le diable nous envoie des papillons. Puis là, on court après les papillons. Puis là, on court après les papillons de cette vie. Puis là, à la fin de la journée, là, on n'a pas pensé à Dieu. On s'est éloigné de Dieu. On a fait des gaffes. On a péché. On a vécu pour nous-mêmes. Et là, à chaque jour, tu dois revenir à Jésus. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le Saint-Esprit va toujours te ramener. Le Saint-Esprit, il t'amène à Jésus, puis il te ramène continuellement. Continuellement. Puis il y a des gens ici, tu t'es éloigné et le Saint-Esprit te ramène, le Saint-Esprit te ramène, il veut te ramener. Donc, à chaque jour, il va te dire Reviens à Jésus Puis troisièmement, il va te dire, deviens. Le Saint-Esprit, je l'ai mentionné, puis je le dis avec affection, c'est une taille de cochon sainte. Une tête de cochon sainte. Il est déterminé à façonner le caractère de Jésus dans ta vie, puis il ne va pas te lâcher. Il ne va pas te lâcher. Et souvent, on dit aux gens, qu'est-ce que tu deviens? Puis le Saint-Esprit, à chaque jour, si tu es moindrement attentif, il va te poser cette question. Qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu deviens de plus en plus comme Jésus ou est-ce que tu t'éloignes de plus en plus de Jésus? Dernièrement, on était chez, chez la famille, puis euh, je vais à la salle de bain, puis il y a un pèse-personne. J'essaie de me peser, ça fait longtemps. Là, je fais comme, « Wow! » 10 livres de plus, je me suis dit il y a probablement un problème, je vais vérifier à la maison. J'arrive à la maison et je suis convaincu qu'il y a un problème. Je dis ça se peut pas, tu peux pas prendre 10 livres de même, ça se peut pas. J'arrive à la maison, 11 livres de plus. Je m'en suis pas rendu compte. Comment est-ce qu'on prend 10 livres? Il n'y a, a pas longtemps. Mais tout à coup, c'est juste au niveau de ce que tu fais, au niveau de ce que tu manges, petit peu par petit peu, une petite livre à la fois, l'espèce de livre que tu vois pas arriver, puis elle vient, puis elle appelle ses amis, puis là, tout à coup, comme. Et tu te réveilles un jour avec OK, il faut que je fasse quelque chose. Spirituellement, c'est la même chose, on s'en rend pas compte. Est-ce que vous pensez que la première livre que j'ai pris, je me suis dit, waouh ok, je viens de prendre une livre, il faut que je fasse attention. Non, je ne m'en suis pas rendu compte. Et spirituellement, le péché, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. On est là. Et c'est comme j'ai mentionné la semaine dernière, c'est comme le poisson ne se rend pas compte de l'eau. Parce qu'on est tellement dedans, mais le Saint-Esprit, lui, s'en rend compte. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va être dans ta face, comme on dit en hébreu. Puis il va dire, ok, qu'est-ce que tu deviens? Pas pour te condamner, pour que tu gardes le focus. Parce que si tu as mis ta foi en Jésus, tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour la gloire de Dieu. Est ce que je peux entendre « amène » à ça? Amen. Ça, c'est la job du Saint-Esprit. 44, verset 18 à 25. Car ainsi parle le Seigneur, ce n'est pas en cachette que j'ai parlé dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit aux descendants de Jacob, « Cherchez-moi dans le chaos. » « Moi, le Seigneur, je dis ce qui est juste, je proclame ce qui est droit. Je le jure par moi-même, de ma bouche chante ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment par moi. » Le Nouveau Testament, dans Philippiens, reprend cette parole en disant « Que toute bouche fléchira devant Jésus, confessera que est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Fin de la parenthèse. « Dans le Seigneur seul, dira-t-on de moi, réside la justice et la force. À lui viendront eux, tous ceux qui sont fâchés contre lui. » Par le Seigneur seront justifiés tous les descendants d'Israël et en lui ils mettront leur fierté. Vous voyez la justification qui revient. Voici le point. Ne doute jamais dans les ténèbres de ce que tu, Dieu, Dieu t'a dit dans la lumière. Un homme de Dieu qui a dit ne doute jamais dans les ténèbres de ce que Dieu t'a dit dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le diable va profiter de l'occasion lorsque tu es dans les ténèbres de ta vie pour remettre en question la parole que tu as reçue, pour remettre en question la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce qu'ils est en train de dire, c'est que la parole de Dieu n'est pas tortueuse. La parole de Dieu n'est pas cryptée. La parole de Dieu n'est pas ambiguë. Dieu ne va pas te piéger par sa parole. Dieu parle dans la lumière. C'est clair, c'est simple, c'est limpide. Quelquefois, à cause de notre esprit corrompu, on ne saisit pas ce que Dieu veut dire, mais la parole de Dieu, elle est sainte. Ce que Dieu te demande, c'est simple. Dieu ne piège personne. Dieu ne donne jamais des tests pour que tu échoues. Dieu veut ton bien. Maintenant, lorsque tu es dans les ténèbres, tu as tendance à remettre en question ce que Dieu te dit dans la lumière. Par exemple, tu es là, tu avais la conviction, Moi, je vais étudier dans tel champ d'études, te prier, tout ça, tu peut-être jeûné. Et là, tout à coup, ça ne va pas très bien, puis le diable te dit Est-ce que tu es vraiment à ta place? Au travail, c'est la même chose. Te prier pour avoir un bon travail, Dieu t'a ouvert une porte, Dieu te dit, dans ce travail-là, non seulement je vais pourvoir à tes besoins, mais je vais me servir de toi comme une influence dans ton travail. Et là, tout à coup, il y a des vagues, ça ne va pas très bien, tu remets en question la parole de Dieu. De d'autres, peut-être, tu es marié, tu es, es convaincu que c'était l'homme de Dieu pour toi, c'était la femme de Dieu pour toi, il y a une tempête dans votre vie, et dans les ténèbres, tu remets en question ce que Dieu te dit dans la lumière. On pourrait continuer. Dieu t'a donné une promesse pour tes enfants. Et alors que tu ne la vois pas s'accomplir, le diable te dit Est-ce que Dieu t'a vraiment dit Peut-être même dans une église, tu te joins Dieu, te dit Oui, c'est ta place. Et là, tout à coup, il se passe quelque chose, quelqu'un te blesse, et tu remets en question ce que Dieu t'a dit dans la lumière. Il y a des gens, Dieu t'a appelé à être pasteur, à être missionnaire. Dieu t'a appelé à faire des choses pour lui. Et la vie est arrivée, et tu te poses une question Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé Tu remets en question dans les ténèbres de ta vie ce que Dieu t'a dit dans la lumière. Il y en a d'autres, tu as reçu une délivrance. Dieu t'a libéré. Clairement, tu as compris ce que Jésus a fait pour toi, tu retombes dans ton péché et le diable te dit dans les ténèbres Tu n'as jamais été délivré, tu es captif, rappelle-toi ce que Dieu te dit dans la lumière. Et je pourrais continuer dans plein de trucs comme ça, plein de choses. Ne remets pas en question dans les ténèbres ce que Dieu dit dans la lumière. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, on est très. Je veux dire quelque chose de terrible. Je trouve que les chrétiens, souvent, on est très satanocentriques. Qu'est-ce que ça veut dire satanocentrique? C'est-à-dire, on est très centré sur les attaques du diable. Puis oui, le diable est réel, le diable il attaque. Mais souvent, on voit dans nos vies, puis on dit oui, les mensonges du diable, puis on veut discerner les mensonges du diable. Mais on ne réalise pas que lorsque justement il y a un combat spirituel, que le Saint-Esprit parle lui aussi, et que la voix de l'Esprit parle plus fort que les mensonges du diable. Il y a des gens donné ta vie à Jésus, tout ça, puis vient des épreuves, vient des circonstances, puis peut-être même que tu remets en question parce que tu regardes autour de toi puis tu te dis, est-ce que vraiment Jésus est Seigneur, est-ce que vraiment Jésus est roi? Et cette parole d'Esaïe, le Saint-Esprit va te rappeler. Peut-être que tu ne le vois pas maintenant. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut blasphémer le nom de Jésus. Peut-être que ce n'est pas le règne de Dieu présentement dans ta vie sur la terre. Peut-être que les gens ne voient pas le genou devant lui, mais il viendra un jour où tout genou fléchira et toute bouche confessera qu'il est Seigneur. Saint-Esprit va te le rappeler. Et regardez l'œuvre de l'Esprit continue, chapitre 46, verset 3 à 4. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que je prends à ma charge depuis le ventre de votre mère, que je porte depuis le sein maternel, jusqu'à votre vieillesse. Est-ce que des gens ici, tu dans la vieillesse? Les hommes, dites « Amen. Les femmes, je sais qu'on n'a pas de femmes qui est au-delà de 25 ans dans cette église. Euh, <laughs> jusqu'à votre vieillesse, Dieu, une promesse pour toi. Jusqu'au temps des cheveux blancs. Pas besoin de dire si tu des cheveux blancs, on voit, on voit. Puis il y a des hommes, tu ne personne, on sait que tu as coupé tes cheveux. En fait, tu les as perdus, mais tu aurais des cheveux blancs si tu avais des cheveux, OK? Je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore porter, soutenir et libérer. Saint-Esprit va te rappeler, en ta marche avec Jésus encore aujourd'hui, Dieu veut encore porter, soutenir et libérer aujourd'hui. Dieu va encore te porter, Dieu va encore te soutenir, Dieu va encore te libérer. Il n'y a pas un quota, il n'y a pas une limite. Dieu veut le faire encore, puis il l'a fait dans le passé, puis il va continuer de le faire. Et à toi qui. Et, 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 J'ai beaucoup de compassion. vous savez, on n'en parle pas beaucoup, mais des gens, à un moment donné, tu arrives à la retraite, une remise en question. Euh, tu sais, quand on travaille, souvent, notre identité elle a, est là-dedans. C'est pas quand même, mais il y, une, il y a quelque chose en même temps, on est dans la productivité, puis on arrive dans une saison de notre vie où tout s'en va, où nos forces nous quittent, nos énergies nous quittent, notre productivité nous quitte, notre santé nous quitte tranquillement. Où on se rend compte qu'il y a plein de choses qui nous quittent. Je veux déclarer à tous ces gens qui regardent leur vie et qui disent il y a plein d'éléments qui me quittent présentement, que Dieu ne te quittera jamais. Amen. Dieu va prendre soin de toi. Les enfants nous quittent, tout quitte, mais Dieu dit Je vais te porter. Et à tous les autres, es tu es peut-être suivi une incapacité présentement. Dieu veut te porter. Tu es ici, tu as une difficulté, quelle est ta maladie? Il veut te soutenir. Quel est ton péché? Il veut te libérer encore aujourd'hui. Et on termine. 48, 16 à 22. Donc, sur cette œuvre, alors que nous présente la délivrance ultime qui est en Jésus, Jésus va dire, L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, il vient avec l'esprit. La religion ne peut solutionner le problème du péché dans ta vie. Deuxièmement, on a vu que le Saint-Esprit peut solutionner le problème du péché dans ta vie. 3. Le Saint-Esprit te dit quotidiennement trois choses. Souviens, reviens et deviens. 4. Ne doute jamais dans les ténèbres de ce que Dieu t'a dit dans la lumière. 5. Dieu veut encore porter, soutenir et libérer aujourd'hui. Finalement, 48, 16 à 22. Approchez-vous de moi, écoutez. Dès le commencement, je n'ai pas parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'étais là. Et maintenant, le Seigneur Dieu m'a envoyé avec son esprit. C'est le fameux serviteur ultime que Jésus qui parle. Ainsi par le Seigneur, ton rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je t'instruis ton, pour ton profit. Je te conduis dans la voie où tu marches. Oh, si tu prêtais attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Ta descendance serait comme le sable, ta progéniture comme le grain de sable. Son nom ne serait pas retranché, ne disparaît pas devant moi. Sortez de Babylone, fuyez dans les Chaldéens. Avec des cris de joie, annoncez-le, faites-le entendre propagez-le jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, le Seigneur a assuré la rédemption de Jacob, son serviteur. Et il y a un dernier élément du Saint-Esprit que, que je veux mentionner, que souvent on oublie, et j'aurais pu terminer mon message au point 5, mais pour être honnête avec la parole de Dieu, je dois mentionner ce dernier point. On voit que le Saint-Esprit, et maintenant le Seigneur Dieu m'a envoyé avec son esprit, alors que nous disons au Saint-Esprit, viens, le Saint-Esprit te dit, va. Alors que les chrétiens disent au Saint-Esprit, viens, 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 moi, moi, moi. Il te dit oui, mais va, va. Et présentement, il y a un enseignement qui est très populaire dans les églises où on dit que le chrétien devrait activer le Saint-Esprit en lui. On parle d'activation spirituelle. Donc, tu aurais le Saint-Esprit, mais il faut que tu l'actives en lui. Et moi, je ne crois pas que le chrétien doit activer le Saint-Esprit. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui doit activer le chrétien. Et souvent, quand on regarde à tout ce que Dieu veut faire dans nos vies, regardez, Jésus est envoyé. L'esprit est envoyé. Lorsqu'on a l'esprit, nous sommes envoyés. Ésaïe 61 dit :« L'esprit du Seigneur est sur moi il m'a envoyé. » Et être chrétien, c'est réaliser que oui, Jésus est mort pour nous. Le Saint-Esprit applique cette œuvre, mais cette œuvre est tellement grande qu'on doit le propager. C'était si toujours avec moi, dis « Amen. Et l'esprit qui est en toi. Est-ce que des gens, tu crois que le Saint-Esprit est en toi Le Saint-Esprit te dit quelque chose en hébreu Go. Go, attends pas d'être parfait pour dire ce que Jésus a fait dans ta vie. Et regardez, ça dit, sortez de Babylone. Et Babylone, dans la Bible, va devenir le symbole du confort charnel et mondain. Et il faut comprendre qu'à l'époque, cette délivrance de Babylone présagée était le début, annonçait, illustrait l'ultime délivrance spirituelle en Jésus. Et il y a des gens qui, lorsque Dieu les a délivrés de Babylone, le peuple de Dieu plus tard ne sont pas retournés. Ils étaient confortables, captifs à Babylone. Il faut réaliser que Dieu nous appelle, et j'hésite à le dire parce que c'est tellement cliché, mais à sortir de la Babylone, à sortir de notre zone de confort. Ne permets pas que ton christianisme devienne un spa. On est bien dans un spa. On vient à l'église, on entend la parole de Dieu, on prie, on loue, on va dans les petits groupes. On est confortable. On est bien. La vie chrétienne n'est pas un spa. Sors du spa, sors de Babylone, sors de ta zone de confort. C'est quoi sortir de ta zone de confort? C'est faire quelque chose qui va te générer un peu d'anxiété, de risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans cette période de Pâques. Réunion du vendredi, saint, dimanche de Pâques. C'est pas tout le monde. Dieu ne te demande pas d'être un évangéliste, de mettre une boîte sur le coin de la rue et de proclamer l'Évangile. Il dit, tu as des gens autour de toi qui ont besoin de Jésus. Et Dieu t'appelle à faire quelque chose de très simple, mais en même temps de très courageux. Ouvre ta bouche. C'est pourquoi on dit au portail, faire des, être un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, qui a reçu Jésus, qui décide de mettre sa foi en Jésus, c'est quelqu'un qui s'immerge, qui se fait baptiser, c'est quelqu'un qui sert, et c'est quelqu'un qui invite. Il y a des gens, ça fait combien d'années que tu es chrétien, peut-être ça fait des années. Tu n'as pas invité quelqu'un à l'église. Ça fait des années que tu n'as pas parlé de Jésus à quelqu'un. La réalité, moi, je te demande juste ce matin, alors que le Saint-Esprit est en toi, est-ce qu'on peut commencer à prier pour les gens qui ont besoin de Jésus autour de nous? Est-ce qu'on peut commencer à prier et dire, Seigneur? Puis je te demande de faire quelque chose ce matin. Je te demande de dire, Saint-Esprit, montre-moi des gens autour de moi que tu veux que j'invite, que tu veux que je parle de Jésus. Là, il y a des gens qui vont dire Oui, mais moi, il y a des noms qui viennent, mais je ne suis pas sûr que c'est Dieu. Inquiète-toi pas, le diable ne va jamais te mettre à cœur des gens qui ont besoin de Jésus.